Madame, ici, bonsoir. Ban titre sazonal là, un plan d'action national lors ban soins intégrés pour ban personnes âgées. Gouvernement peut travailler lors là. C'est ce qui Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin d'hier dans une conférence internationale lors un bon vieillissement. 100 kilos cannabis fin saisi dans Rivière Noire aujourd'hui et 7 suspects fin arrêtés parmi un policier. 10 pour mois septembre fin saisi 77 millions roupies la drogue. Tout bon indicateur économique au vert avec taux croissance qui propice qui 7%. Ministre Finance Ranganathan Padayachi, il met l'accent sur la reprise de l'activité économique pour 2022 pendant Public Private Sector Joint Committee. Et dehors, prix Nobel médecine fin attribué aujourd'hui à Suédois Svante Paabo pour ce ban travaux, lors ban différence génétique entre ban humain et ban hominidé qui fin disparaît. Le gouvernement P finalise actuellement un plan d'action national pour les soins intégrés pour les personnes âgées. C'est le Premier ministre qui finit annonce ça aujourd'hui grand matin dans Pointe-au-Piment, dans une conférence internationale pour un bon vieillissement. Pravin Kumar Jugnauth dit que le bien-être des seniors c'est sa priorité. Les participants mauriciens et étrangers finit faire lancement d'une Healthy Aging Task Force dans Maurice. À l'initiative FIAPA, Fédération internationale ban association ban personnes âgées. Ce lundi, dans le centre récréatif Pointe-au-Piment, le groupement FIAPA ou Fédération internationale ban association des ban personnes âgées s'organise une conférence l'eau le vieillissement sain. Le Premier ministre t'y fait invité pour prononce le keynote address. Plusieurs participants étrangers t'y également présents pour discuter de la mise en place d'un Healthy Aging Task Force de Maurice. Pravin Kumar Jugnauth fin saisi l'occasion pour annoncer un nouveau plan d'encadrement ban signaux dans le pays. In Mauritius, government will soon come up with a national action plan on integrated care for older people. Our country is classified as the oldest country in Africa in terms of the age of its population. By implementing integrated care for older people, Mauritius could become a benchmark for other African countries. Integrated healthcare services are organized to provide services that are oriented around the needs of older people rather than around the needs of the services themselves. The welfare of the elderly persons has always been very high on the agenda of this government. Auparavant, la ministre de Sécurité sociale, Fazila Djouadoyaou, fin mettre l'accent sur l'importance pour gagner une stratégie pour accompagner les personnes âgées dans Maurice et qui fin dire que le gouvernement peut faire des efforts dans ce sens-là. At present, there are 244,743 persons aged 60 and above in the Republic of Mauritius. It is estimated that this proportion of the population will increase from 18% at present to about 37% in 2050. It is imperative that we consider our aging population in the best possible way. Mon organisateur et mon intervenant viennent passer aussi en revue la politique de mon autorité mauricienne lors le sujet. I am so impressed by what I've seen in Mauritius. It was a privilege to attend the celebration of the International Day for Older People on Saturday and to hear your Prime Minister speaking so passionately about his support for all the policies that the government is trying to pursue to ensure that older people are treated with respect and allowed to live the best possible life that they can. On a entendu parler plutôt du Residential Care Home Act, du Protection Elderly Act. On a entendu parler aussi de la mise en place d'un plan sur les soins intégrés pour les personnes âgées. Mais il faut savoir d'où on part et vers où on va. Donc tout ce qui a été fait déjà est plutôt positif. Sa rencontre-là est cadrée avec célébration ces jours-ci de la Journée internationale des personnes âgées et que les membres FIAPA fin marque l'événement par un spectacle qui tient axé l'épanouissement des personnes âgées au sein de la République de Maurice.
C'était pour d'avoir une considération particulière pour les personnes. Parce qu'on a bien travaillé. Exactement. Ça, je vous cherche à vous. Merci. Merci. Joli coup de filet de la police à Zourdi-Gramatane en Rivière-Noire. Environ 100 kilos cannabis fin saisi. Sept suspects parmi un policier fin arrêté. Zis pour mois septembre fin saisi 77 millions roupies la drogue. Opération Zourdi-Gramatane, ses résultats, un travail qui fin réalisé avec collaboration tout bande l'équipe concernée. Commissaire à la police Anil Koumoudi peut dire que la police peut adopter une stratégie zéro tolérance dans le combat contre la drogue. Après 3 semaines d'enquête, Special Striking Team sous supervision inspecteur Achik Jagai fin saisi environ 100 kg cannabis ça lundi matin dans Rivière Noire. 7 suspects fin arrêtés parmi la police. Valet estimé pour sa saisie la drogue là, li environ 150 millions de roupies. Man baron pas peut hésiter, je peux continuer à fonctionner. Et nous devoir pour démanteler le jeu. C'est une saisie nous tu fais, quand tu mets 999555. Fin regain la drogue qui est dans sa marking là. Et mon père redire. Et non, encore un paquet la drogue. Et nous pouvons faire des choses pour capable d'éteindre tout ça. Là. Surveillance. Confirme l'information. Guettez pas dans le leakage. Parce qu'il est malheureux, il y a une fuite d'information. Ça aussi nous inquiète. Et tout ça là, finalement, résultat qui nous a gagné ce matin. Et c'est ça nos combats, il faut un combat sans relâche. 26 la drogue peut continuer à augmenter dans Maurice. Pendant ce week-end, il y a une désaisie la drogue que la police fin fait. Dans nos cafés, il y a un triage. N'importe qui ou profession, n'importe qui ou statut, même traitement. Là-dessous, lui-même fin fait désaisie, recours. Chacun un samedi, un dimanche, un côté où il pouvait fin bien plonger, altier la drogue, plus de 17 millions. Et l'autre final dans la case, un coupe, là-bas aussi, il gagne plus de 16 millions. Durant des derniers mois, plus que 95 millions de roupies la drogue fin saisie dans le pays. Un an après réouverture complète de nos bandes frontières, PE anticipe une forte reprise de l'activité économique pour l'année 2022. Tout bon indicateur économique au vert et taux croissance pour bien haute, plus que 7% d'après ministre Finance Ringanaden Padayachi. Il y préside Public Private Sector Joint Committee aujourd'hui avec ban représentants secteur public et privé dans Eben. Ministre Finance, il nous dit qu'au niveau PIB, pour arriver 544 milliards roupies et défi, c'est maintenir croissance et confiance dans le pays. Sa réunion trimestrielle là, sous l'égide Economic Development Board. Un trimestre après présentation du budget 2022-2023, petit moment pour réfléchir au bon progrès réalisé sur le plan économique, mais aussi l'important pour faire face à un défi actuel pour maintenir la croissance. D'où la tenue de la réunion du Public-Private Sector Joint Committee, ça lundi là dans Eben, présidée par le ministre des Finances. Selon Ringanaden Padayachi, il y a pourtant pour accompagner sa reprise économique là. Ça fait un an aujourd'hui, depuis la réouverture complète des frontières de Maurice, et nous sommes en train d'anticiper une forte reprise des activités économiques pour l'année 2022, et nous avons tous les indicateurs qui sont au vert. Le taux de croissance sera très élevé, au-dessus des 7%. Le niveau du PIB va atteindre les 544 milliards de roupies. Le chiffre en 2019 était de 512 milliards, donc bien au-delà de ce qu'on avait en 2019, avant la pandémie. Les exports sont en forte hausse par rapport à l'année dernière, mais aussi par rapport à 2019. Nous devons nous accompagner cette reprise pour la rendre soutenable dans le temps. J'ai aussi parlé du défi de maintenir cette croissance économique et la confiance dans notre pays. Selon le Chief Executive Officer de l'Economic Development Board, Ken Punusamy, sa réunion de haut niveau là, avec la participation de plusieurs représentants de divers secteurs publics et privés, lie une plateforme collaborative et interactive en vue pour maintenir un dialogue constant et dynamique. Au cours de la session, un représentant du secteur privé fin aussi aborde une question importante sur le plan économique. Maurice a l'honneur en Roumanie, nous pays finélière pour première fois dans le Conseil l'Union internationale télécommunications. Lors 17 pays qui tient en lice dans la région Afrique, Maurice finélière avec 131 votes. Délégation mauricienne dirigée par ministre Dipak Balgobin
Actuellement, dans Bucarest, Cotfinina, sa élection-là, et aussi conférence UIT qui est organisée tous les 4 ans. Dans son intervention, ministre Balgobin remercie UIT et Ketuban pays qui finent soutenir Maurice. Association Ban Transport Aérien Francophone ATAF infère sa 128e Assemblée Générale à samedi dans l'hôtel Beachcombe dans Trouobiche. Député Prime Minister et ministre Tourisme est présent. Steve Obigadouin dit que le tourisme mauricien une retrouve sur la santé d'avant la crise sanitaire. Les Finussi rappellent les efforts au gouvernement pour soutenir la compagnie aviation nationale pendant fermeture frontière. Pendant sa Assemblée Générale, la Finussi cause l'Oban Action qui Mauricine prend pour protéger la faune et la flore marine. Nous causons l'exercice déclaration income tax qui pour finir le 17 octobre prochain, donc dans 2 semaines. À minuit dimanche 2 octobre, 111 552 dimoun qui finit complète sa exercice-là, d'après ban chiffre Mauritius Revenue Authority. Puis une ban pénalité si soumettent formulaire-là après date limite. Ou si MRP continue aide ban dimoun remplis de forme taxe à travers ban e-appointment. Le cause production fraise dans Maurice, production annuelle li 16 tonnes par an. Récolte l'affaire à partir fin juillet, mais cette année-là, ça finit retardé à cause de l'hiver. Exceptionnellement, cette année-là, Food and Agricultural Research and Extension Institute, FARE, puis invite ban cultivateurs bénéficier d'un plan d'aide pour acheter ban filet anti-oiseaux et anti-chauve-souris. Dans Maurice, saison fraise finit commencer cette année-là avec retard, la cause d'un hiver bien frais. Ban fruits-là sont de bonne qualité et sont prix abordables. Chakarnat Ramlagan bien comprend qu'il tient fraise, avec 40 ans d'expérience, l'eau la terre familiale dans beau climat. Vous avez bois ou carreau pour les oiseaux pas rentrer. Et après, vous avez mis le plastique dans la fraise pour l'air pas pousser, les protéger. Si vous donnez des peines, vous rentable. Le local là est plus doux que des eaux là. Chakarnat Ramlagan pratique une agriculture sans pesticides, donc qui respecte l'environnement. Ce qui fait qu'il se bat fraisier, parfois attaqué par une maladie. Food and Agricultural Research and Extension Institute, FARE, accorde ce soutien à une cultivateur. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent être là, sec. Ce bat fraisier, c'est petit. Avec ce bat fraisier affecté, et là, nous pouvons prendre ça, nous permettre ça à Station Houghton pour faire une analyse. Dans Station FARE à Houghton, PFRSS, le nouveau variété fraise, est aussi servi par une nouvelle technologie. À la FARE, c'est que nous introduisons une variété, nous évaluons les autres pour nous recommander aux planteurs les variétés plus performantes en termes de rendement, en termes de qualité de fruits et tolérance à maladies. Ban planteur fraise capable aussi bénéficier de nos schemes un filet anti-oiseaux, qui normalement pour ban planteur les chilongan. Et ça pour les autres protège les autres cultures contre les dégâts causés par les oiseaux. Ban résultat qui FARE fin gagné, bien encourageant. Et il y a important Aster qui relance production locale fraise, surtout qui nous connaît, qui nous importe environ 200 tonnes fraises chaque année. La suite de sa journée, là, c'est après sa pause là. Pour 8e jour, Navratis Ordi finira un hommage pour Mahagori, déesse Durga, qui permet de dévouer gagner prospérité. Hier, Premier ministre a assisté à la prière dans centre pays, dans la Lora Shiv Shakti Mandir. Sur place, Pravin Kumar Jagnat fin accueilli par ban jeune membre temple là. Huitième jour Navrati est l'importance capitale. Nous célébrons Maha Ashtami. Pour sa 8e nuit là, c'est déesse Mahagori qui a l'honneur bandevo venir déesse Mahagori pour gagner prospérité. Hier, pendant 7e nuit Navratri, Premier ministre final Lalora Shiv Shakti Mandir. C'est ban Zen Mom, groupe soulabre sanskrit qui fin accueillir Pravin Kumar Jagnat. Depuis 2006, ici fait Deep Dan Divas. Ban Mom Templa fin à Ronzen Batu, c'est ici même qui fait sa rituel là. Premier ministre fin aussi participe dans rituel Deep Dan. Seul objectif, c'est permettre à ban Devo éviter ban dépenses inutiles. Bhagavat
Pravin Kumar Jagnat fin aussi à l'avenir Shiva Mandir à côté fin Venea Dies Kalratri. Premier ministre fin prend part à rituel Maha Arti. Dans Ripai, au Sammelan Sabhashiv Shankar Mandir, Bandevo fin présent pour Anumaz à 7e manifestation Dies Durga. Premier ministre fin participe dans rituel Deep Jyotir, Poalim ban la lampe. Direction Nouvelle Découverte, dans Sri Shiva Shankar Mandir, ici ban mom Sri Gajanan Mandali fin santé et fin danser pour célébrer sa période Durga Pujala. Ban louange en lumière divinité fin résonner pour accompagner Maha Arti. Nous causons la pêche avec Ban Fédération Man Pêcheurs Artisans l'Océan Indien qui organise une formation pour une vingtaine de pêcheurs Maurice, Komo et Madagascar pendant 10 jours. Une initiative avec collaboration ministère de la Pêche, Commission l'Océan Indien et la Banque mondiale. Ban DCP, dispositif de concentration poisson, c'est ban l'équipement qui attire ban bon poisson pélagique comme ton doradec molle. Avec ça, la pêche vient plus correcte. Ça va permettre aux pêcheurs de la région de renforcer leurs compétences et surtout d'assurer des échanges professionnels. Maurice, il y a plus que 25 sites en haute mer côté Nassaman DCP là, avec passage les temps, il y a une fine abîmée et que les autres qui finent dérivés. Ben, l'autorité environ met Nassaman site là, et qu'ajoute ben, les autres DCP plus modernes qui sont capables d'émettre des ben, data en temps réel. Ben, un projet comme ça, c'est plus que nécessaire pour nous capables d'augmenter. Bien sûr, nous avons fait la paix soutenue, mais seulement, là, c'est nous donner autres les moyens qui maintenant nous capables de faire pêcher artisanal une meilleure prise qu'ils prennent avec cette formation-là, et ça pour améliorer notre la vie. Maurice peut porter sa technique-là avec les autres du monde dans la région, à cause nous finissons réussir à perfectionner sa technique-là depuis quelques décennies. Dans la région sud-ouest de Madagascar, nous cherchons une nouvelle zone. C'est pour cela que nous sommes intéressés sur cette formation d'avoir des DCP parce que nous voulons faire de la pêche au large. Nous déjà un avantage à deux, mais nous payons un gros à deux. Ça attire beaucoup plus poissons et beaucoup plus solide. Sa formation d'isola pour accélérer la technique de la pêche autour de DCP, sécurité en mer, le principe de base navigation et surtout l'avancée technologique. Ma nouvelle dehors après premier tour élection présidentielle en Brésil dimanche, ancien président Lula da Silva, il gagne 48,4% de vote contre 43,2% pour chef de l'État sortant Jair Bolsonaro. Tribunal supérieur électoral a donc annoncé qu'il pourrait avoir une seconde tour élection et ça pour faire les 30 octobre. Et prix Nobel de médecine fin attribué aujourd'hui à Suédois Svante Paabo pour séquençage complet génome l'homme né en Néandertal et Fondation Paléogénomique. Jury Nobel in salué ce ban travaux. Il fin montrer ban différence génétique entre ban humain et ban hominidé qui fin disparaître. Et ce ban découverte montrer ce qui fait de nous ban être humain unique. Ce papa, Sune Bergström, qui aussi gagne prix Nobel de médecine en 1982. Les sous-guettes à celle-là, ben, nouvelle l'étang de Maurice, situation générale, ben, nuages depuis l'Est pour influence sur l'étang local, zorditant tout et demain grand matin. Ben, prévision, l'étang pour mi-couvert, zorditant tout et demain grand matin avec ben, la pluie dans l'Est et que ben, terrain élevé. Température minimale pour varier entre 15 et 17 degrés au plateau central et entre 19 et 21 degrés sur la côte. Demain, la zone est l'étang pour bon. Température maximale pour varier entre 21 et 24 degrés au plateau central et entre 26 et 29 degrés l'eau littorale. Divan pour souffler depuis l'est à 20 km/h, avec bande pointe à 50 km/h dans l'endroit exposé. La mer pour mauvais en dehors récif avec la houle des mètres hauteurs. La marée pour haute demain à 10h45 et 21h45. L'ipouba demain à 3h16 et 16h54. Demain soleil pour lever à 5h49. Et l'ipoil couché à 18h08. Et voilà, nous on a fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée. L'Oban Chen MBC.